Je vais vous conter l'histoire d'un magicien. Le magicien de l'aube. Un artiste. Et voilà son récit. Situé sur une terre vallonnée et érigé sur une crête, près au Sanglier était un village perdu au milieu d'une mystérieuse forêt, la forêt de Cinglé. Des rues étroites, pavées de galets polis, bordaient des maisons basses aux portes sombres. Des demeures construites de pierres et de bois avec des toits de chaume. Au centre du village se trouvait une place où se dressait une fontaine entourée d'herbes et de plantes médicinales. C'était là que les villageois, vêtus de robes longues, portant des chapeaux pointus et des amulettes magiques, se réunissaient pour échanger leurs connaissances et pratiquer leur magie. Chaque famille possédait ses propres conceptions en matière de tradition, de croyances, de rapport à la mort. Autour de la bourgade enchantée se dressaient des arbres majestueux, d'une hauteur impressionnante, recouverts de mousse et de lichen. Les branches torsadées flânaient partout, formaient des abris pour de nombreux animaux et créatures. Hiboux, ratons laveurs, grenouilles des bois, chauves-souris et chevreuils, renards et licornes, dragons et griffons. Tous parlaient la même langue que seuls les sorciers pouvaient comprendre. Les occupants de la forêt de Cinglé avaient un chef, un grand sanglier noir. Au fil du temps, près au Sanglier devint un lieu de pèlerinage pour les milliers d'apprentis sorciers qui venaient chaque automne acquérir du savoir-faire et consommer de la magie. Un pacte de paix a été établi, instauré depuis des siècles, entre les êtres vivants de la forêt et la communauté des sorciers.